puissance. Je m'appelle Maman Rebecca Ngiaba. Je suis de Maroc. Chemin du ciel de Maroc. Je suis venue pour témoigner les bienfaits de Dieu de Papa Florian. J'étais malade. Il n'y avait pas la solution dans ma vie. Ma soeur m'avait parlé de Dieu de Papa Florian. Il m'avait donné le numéro de Papa Dou. Papa Dou m'avait donné le numéro de Papa Moïse qui est aussi au Maroc. J'avais pris contact avec Papa Moïse qui est notre responsable aussi au Maroc. Je suis venue au chemin du ciel Maroc. J'étais malade. Je n'arrivais pas à parler. C'est comme si on m'avait bloqué ma langue. Je n'arrivais pas à bien parler. Je suis venue KO. C'est Papa Moïse qui m'avait vu les jours-là. Quand je suis venue avec Papa Moïse, Papa Moïse m'a donné le lait. J'ai bu le lait là. Il m'avait remis aussi l'eau miraculée. J'ai bu le lait miraculée. Quand j'ai bu ça, je commence à avoir des vertiges sur moi. Et après, je suis retournée à la maison. Quand je suis retournée à la maison, l'eau miraculeuse que j'avais bu avec le lait, ça a tourné mon ventre. Mon ventre a chauffé. Je suis allée à la toilette. Quand je suis allée à la toilette, j'ai dégagé. Quand j'ai dégagé là, il y avait un serpent. Un serpent, la tête en l'air. Il y avait plein de choses là-bas. C'est seulement au miraculeuse et le lait que j'avais pris. Là, je n'avais pas encore purgé. J'ai fini le lait et l'air depuis j'ai arrivé. J'ai purgé avec révélation divine. J'avais plein de choses dans mon ventre. Mon ventre me faisait très mal. J'avais trop de choses. J'ai fait sortir des choses là bizarres. Moi-même, je n'arrive pas à reconnaître les choses là. C'était catastrophique pour moi. Cette maladie, ça fait 15 ans. C'est 15 ans que j'ai souffert de cette maladie. Quand je suis arrivée chez le Dieu de Papa Florian, c'est au miraculier et le lait. C'est le lait et au miraculier qui m'a délivrée. J'ai gêné, j'ai prié. Il n'y avait pas de solution dans ma vie. Mais quand je suis venue chez le Dieu de Papa Florian, il m'a délivré. Je suis guérie maintenant. Deuxième témoignage, c'est le sujet de mon fils. Quand j'ai accouché mon fils, il ne prenait pas les tétés. Il ne tétait pas. Depuis qu'il est né, il ne tétait pas. Quand nous sommes arrivés chez le Dieu de Papa Florian, Papa Moïse, il a donné le lait. Il m'a donné le lait, j'ai donné à l'enfant. Il m'a donné le sang de Jésus. Papa Moïse m'a dit, il faut mettre le sang de Jésus dans la tétine de l'enfant. Quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai mis le sang de Jésus dans la tétine de l'enfant. L'enfant, il a jeté la tétine. Il ne voulait pas prendre la tétine. J'ai encore repris, il a jeté ça encore. Et pour la troisième fois que l'enfant, il a sucé sa tétine. Donc, mon enfant, il était un bon retardé pour moi. Maintenant, j'avais fait aussi à l'enfant le purge. L'enfant, il avait sorti des choses aussi. Il avait sorti des choses là comme les serpents aussi, comme l'escargot. C'était dans le ventre de mon enfant. Je vois aussi mon enfant, il était né gros, mais il maigrit. Il ne voulait pas manger aussi. Quand je l'ai mis purge là, maintenant l'enfant, il s'est rétabli, il commence à bien manger, il commence à prendre aussi sa tétine. Il commence à chercher même les seins. Lui qui ne voulait pas les seins, c'est à 7 mois qu'il commence à chercher les seins. À 7 mois, les seins ne sortent plus. Maintenant, il commence à me toucher. Il a envie de téter, mais il n'y a pas les seins. Maintenant, le temps de santé de mon enfant est correct. Il mange bien, il joue bien, il dort bien. Auparavant, quand il dormait, il pleurait même.
Il pleurait. Maintenant, il pleure plus. Maintenant, il est devenu un bon enfant. J'ai la joie. Le Dieu de Papa Florian m'a guéri. Il a guéri aussi mon enfant. Mmh. Je suis venu dire merci au Dieu de Papa Florian de ce qu'il a fait pour moi. Il m'a guéri. Il a guéri mon enfant. Moi qui n'avais pas la joie, maintenant j'ai la joie. Moi qui ne riais pas, moi qui n'avais pas la joie, maintenant j'ai la joie à cause de Dieu, de Papa Florian. Mon enfant aussi, il a repris sa santé. Je dis encore au Dieu de Papa Florian qu'il continue de veiller dans ma vie et de veiller dans mes enfants. Je dis un grand merci au Papa Florian et Dieu de Papa Florian. Puissance! 7.